Bonjour tout le monde, bienvenue dans le nouveau numéro de Guitare Extrême Magazine. Ce mois-ci, dans la rubrique Country, je vous propose un relevé à la manière d'eux. Il s'agit d'un guitariste qui s'appelle Brad Paisley, qui a repris une chanson de Noël que vous avez sûrement reconnue, qui s'appelle Vive le vent, et en anglais Jingle Bells. Donc, toute la country est représentée dans ce morceau, c'est-à-dire l'humour. Le chicken picking, la façon de venir claquer les cordes. Il n'y a pas de gros enjeux en termes de difficulté. Pour ce morceau, je vous conseille de jouer tout au doigt si vous voulez vous rapprocher le plus possible du son de Brad. Lui mixe les deux, mais c'est vrai qu'on aura plus de facilité à se rapprocher du son en utilisant les doigts de la main droite et non pas médiator plus doigt comme d'habitude. Ensuite, c'est comme d'habitude, j'utilise un ampli, un petit slapback et ma guitare. Rien de plus compliqué. On va commencer par l'intro du morceau qui démarre comme ceci avec un glissé de la case numéro 3 à la case numéro 8 qui va du sol au do sur la corde de mi. Ensuite, on fait une triade de do majeur. Voilà. Donc ça va nous donner ceci. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce petit doigt va descendre, mais la triade ici va rester. Ce qui va donner une couleur sur chaque temps. C'est-à-dire, on va écouter par exemple. Voilà. Vous voyez, là, on a un do bas si, un do bas si bémol. Et un do bas la qui équivaut pratiquement à la mineur. Ensuite, on arrive sur un la demi diminué qui peut aussi avoir plusieurs noms. Donc, appelez-le comme vous voulez. L'important, c'est que ce soit la mélodie qui soit retrouvée dans votre accord. Et là, enfin, on fait un sol sus 4. Voilà, qui équivaut à une triade de fa basse de sol. Et ce qui est assez rigolo, c'est que Brad Paisley finit par un do septième, au lieu de finir sur un do majeur. Et on vient tirer les cordes ici, comme ça. Donc je rappelle. Ça, c'est pour l'intro. Alors, le thème, il est en A-ABA, c'est comme ce qu'on peut retrouver dans les thèmes de jazz. Donc, le premier A s'effectue comme ça, avec un glissé qui part du La, ici, jusqu'au Do. Et en fait, on va retrouver la même descente, sauf qu'on va la faire dans les aigus. Vous voyez? Je recommence. Ensuite, on va venir faire un pedal steel bend que vous avez l'habitude de faire si vous suivez mes cours, qui va faire comme ça. Voilà. Encore une fois, je rappelle que c'est du pick blocking, c'est-à-dire que chaque son doit être bien coupé. On laisse rien résonner. Pas de ça, mais pour se rapprocher le plus possible de l'effet d'un pedal steel. Ensuite, on arrive sur une triade de fa. Triade de Fa mineur, triade de Do encore.
On passe par un ré septième avec une neuvième. Et là, on fait la mélodie. Triade de sol. Voilà. Et on va venir jouer un petit accord de sol que vous connaissez peut-être pas, qui se trouve ici entre la 15e et la 12e case. Ça nous fait donc sur la corde de ré ce doigt ici, case 15, case 14, le majeur sur la corde de sol, l'index sur la corde de si à la case 12 et l'auriculaire sur la case 15, pardon, de la corde demi-aiguë. Ce qui est assez rigolo avec cet accord, c'est que ça permet d'avoir la tonique en haut. Donc c'est très punchy. On le retrouve en country, on le retrouve en rockab, on le retrouve en blues, on le retrouve pratiquement partout. Voilà, donc ça c'est pour le premier A. Le deuxième A est quasiment identique. Donc on refait la même descente. Là j'ai fait une petite variation. C'est-à-dire qu'on est sur un accord de Do qui va aller sur un accord de Fa. Donc pour entendre le changement, la seule possibilité, c'est de jouer la septième de Do, donc le Si bémol. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais une approche par le bend en faisant... Voilà, sur la corde de mi aiguë, je joue mon Si bémol. Donc ça fait... Ensuite, je passe sur toujours en Fa majeur en venant jouer son premier renversement, c'est-à-dire... sur la tierce de l'accord. Donc je pars sur cette petite triade, sauf que j'enlève l'accord de ré et je passe directement à un système de sixte qui me fait la et fa. Donc fa majeur, fa mineur, toujours fa, do majeur. Et là je fais tout simplement des petites tierces. Et je finis, pour que ce soit un peu plus marrant, par une petite quinte que je fais résonner. Donc je rappelle, deuxième A. Voilà, alors n'hésitez pas vraiment à venir claquer les cordes, Brad Paisley. C'est un mec qui est assez fun pour l'avoir vu en concert. C'est un mec qui fait beaucoup de blagues. Faut savoir que c'est lui qui dessine ses propres pochettes de disques, son site. C'est quelqu'un qui est très ouvert sur tout ce qui est BD, dessin. Et on retrouve notamment dans cette façon de jouer un univers assez cartoonesque, qui est proche aussi évidemment du milieu country. Mais on le retrouve énormément chez Brad Paisley. Faut que ça claque, faut que ce soit assez fun. Voilà. Donc, pour le B, ça se passe dans les graves et ça commence comme ça. Il fait une approche du sol en faisant mi, fa, fa dièse, sol. Alors je vous conseille, pour avoir ce son un peu pop, popine là, de venir avec votre pouce, vous entraîner à venir claquer comme un slap de basse. Alors là, ce qui va être important, c'est qu'il va falloir faire attention à la longueur de chacune de vos notes. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire... On va faire. Là, je fais ce qu'on appelle un hammer ou un pull-off, je me rappelle plus. Et là, je fais un bend derrière le sillet. On a déjà vu ça il y a très longtemps. Ça s'appelle un bend behind the nuts. Donc en fait, je viens jouer la corde de La et j'appuie derrière le sillet, ici, pour atteindre le Si bécart, qui est ici. Donc ça nous donne... Et là, je fais une descente en sixte. Alors, on aurait pu le finir comme ça ou comme ça. Avec un bend. Ce qui est assez dur parce qu'il faut lever en même temps les deux cordes. Il y a des astuces de country qui sont quand même relativement compliquées. Donc, bon, déjà, si vous faites ça, c'est super. On fait la même chose dans les aigus.
Alors lui, la deuxième fois, il faut un petit peu autre chose. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est à la manière d'eux, c'est pas exactement pareil. Il faut savoir que Brad Paisley utilise ce qu'on appelle un G-Bender. C'est un système qui permet, en actionnant avec sa courroie de guitare, de bender automatiquement. Il y a des effets que moi, je ne peux pas faire parce que j'ai pas de G-Bender sur ma guitare. Donc, le deuxième B. Et là, on revient sur notre triade de Fa, triade de Fa mineur, triade de Do, et tout simplement sixte. Alors il fait. Et là, deux octaves, Si Si et Do Pour le dernier A, il réutilise l'intro. Enfin, il fait Fa Fa Fa. Mi Mi Mi. Et là, il y a le cliché de Brad Paisley, qui est l'emploi des cordes à vide. C'est quelque chose qu'il maîtrise énormément depuis très longtemps et qu'on entend dans la plupart de ses solos. C'est pour ça que c'est compliqué de le relever, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment très propres à son ressenti du moment. Donc là, il nous fait plus ou moins. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'utilise mon pouce. Et j'essaie de le rentrer en rythme. Donc c'est vraiment que d'une succession de hammer. Et je refais un bend derrière le sillet à la fin. Et je conclue avec un accord de sol comme ceci, se trouve à la 9e case, 8e case, pardon. C'est un accord de sol 7e sur sa 7e, ce qui est très 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 utilisé en jazz et en blues, parce qu'encore une fois, on va avoir la tonique dans les aigus. On a le mi qui est ici, le si ici et le fa. Voilà. Alors, pour résumer, Brad Paisley, c'est un son très 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 country, dans le sens où il y a un slapback très fort, de la compression et un petit overdrive. Il utilise beaucoup de subdivisions rythmiques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de l'emploi de croches, de triolets, de double croches, parfois de quintolets, de sextolets. Et enfin, c'est l'emploi des cordes à vide. Et ce qu'on pourrait dire encore, c'est que il faut essayer d'être le plus fun possible quand vous abordez un thème comme Vive le vent, qui peut paraître un thème assez simple, et quand Brad Paisley essaie d'en faire un de ses titres à lui, il met vraiment tout ce qui lui ressemble, tout ce qui est issu de la country attitude et tout ce qui est issu de son propre parcours à lui. Comme je vous disais, c'est quelqu'un qui est assez ouvert sur tout ce qui est BD, dessin c'est un marrant, voilà, c'est un mec qui aime faire des blagues. Donc je pense qu'il a essayé de faire de ce titre un titre assez rigolo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez le magazine au moment de Noël, ben je vous souhaite un joyeux Noël. Et si vous l'avez eu après, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2017 avec bien sûr Guitare Extrême Magazine. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine.